Léo pense Boakali a fini, Léo pense Boakali a campé, Léo pense Boakali a lui-même li fermé, et bien Abdiou, c'est qu'on y a bandit à prendre Boakali. C'est vrai que il y a un pile désastre qui fait parce que Izo, monsieur attaqué sous ce matelas encore une fois, et monsieur attaqué, ça vient, parce que là on dit Izo attaqué, ça vient, pas oublier Nèg sa vie, c'est allié Izo, qui donc c'est Izo qui grand boss tout Nèg sa yo, et puis le parler, tout Nèg tende. Et bien Abdou, je dis à la, mesdames et messieurs, nan fon verrette, population massacré environ 16 bandits, selon journaliste Esaü César, mesdames et messieurs, que nous allons inviter au temps de là, qui pral ban nous plus de détails concernant, eh bien, gros Boakali ça, que moun fon verrette yon même, yon bay bandi yon. Et Abdou, dans le moment n'a parlé là, Izo, Jeff, Bogi, Nèg sa yo a planifié gros attaque là, encore une fois, sous ce matelas, on dirait, zone la fito, sous ce matelas, Debussy, zone sa yo, mesdames et messieurs, eh bien, c'est là, Izo, assassin Nèg sa la, c'est là, monsieur lui-même, li visé pour la faire crime yo, c'est là, monsieur visé, eh bien, pour la commencer, faire salgue pour le faire, parce que Ariel Henry, France Elbeck, nan kokoday avec lui, Nèg yo passe l'autre. Nèg yo fin parler pour impouder, Izo frappé. Nèg yo fin parler, mesdames et messieurs, Boakali a lui-même, li campé. Boakali a li faibli. Raison simple parce que nèg yo pa vle pour insécurité à li même li fini dans pays a en façon pour ka toujours chef. Et bien mesdames et messieurs, élection pa fait dans pays ça parce que pa gen sécurité, Ariel pa quitter élection fait dans pays a pour ka toujours été sous pouvoir, pour fin touyer peuple là, pour le faire américain plaisir, pour le faire blanc plaisir parce que nèg sa yo c'est esclave yo, esclave nèg sa yo esclave. Parce que je dis à la, si Ariel Henry pas ton esclave, si France LB pas ton esclave blanc, m'pa kwe nèg yo t'ap retiré chat qui était devant village de Dieu, m'pa kwe nèg yo t'ap campé opération Boakali qui manquait bay résultat que peuple t'ap cherché a, et bien France LB ak Ariel Henry nèg yo krasé résultat, nèg yo krasé Boakali nan men peuple. M'pral invite au gen détail tout à Claude Joseph et puis ancien ambassadeur Edmond Bochit, et bien l'homme est pété, Claude Joseph fâché Edmond, monsieur Joué, qui donc, tout nèg ap akize nèg nan corruption, tout nèg ap di nèg te volon, nèg te fait ceci, nèg te fait cela, et bien, France, et PM Claude là, monsieur dédoublé, monsieur fâché sous Edmond qui, et bien, accusé lui comme quoi il était dans corruption tout, parce que je dis à Edmond pas, et ambassadeur encore, il révoqué monsieur pour douette longue pour, et bien, corruption, nan tête, et diplomatie, mesdames et messieurs, nous allons inviter ou en gué détail, rete connecté sous TV la kay Haiti.com, bon écoute, n'ap tounen. Pays a eu un petit bagage comme ça, comme ça. Pays a son bagage de poudre là, dans le moment. Question Boakali à Premier ministre. Aïe, aïe, aïe. Pas jouer avec le Premier ministre. Parce que où est-ce qui fait là? Il y a menu à la bouche. Il y a menu à la situation. Parce qu'il y a bat pour que vous fassiez interpréter le bagage n'importe quoi. Vous avez dans le Premier ministre, vous faites diversion pour craser Boakali. Oui, c'est ça, oui. T'as des bien? C'est ça le bagage, oui. Est-ce que vous comprenez? Il paraît, tant que c'est diversion. Diversion? Okay, pour craser le mouvement Boakali. Eh! Hier, Premier ministre, un pile moun mouri. Bandi Izo paraît faire déclaration, li lance message, et moun mouri sous ce matelas. Moun mouri. Et la mande allié yo, accompagne. Son acte de faiblesse, bien entendu. Moun mouri Fojak. Moun mouri Fojak. Moun mouri sous ce matelas. Bien cou. Moun mouri bien cou. Mais yo fait un coup tout, yo fait un coup, et moun verret fait coup, yo lage 16 bandits à terre. 16 bandits tombés. Ok. Okay? Donc, ça veut dire que le Premier ministre m'a parlé avant matin là. Vous êtes le président du Conseil supérieur de la police nationale. Vous êtes vice-président du Conseil supérieur de la police nationale. Pendant que vous êtes Premier ministre, ou c'est ou vous êtes Premier ministre et ministre intérieur. Ou c'est président pays. Pas quitter moun la goun dans l'obéi. Jodi à la, fok élection organisée. Tout baye kap fait là, ou son paquet baye tractation kap fait. Donc, fok élection organisée. Mais pour élection organisée, pour monter conseil électoral, bon, ou besoin de représentant dans la presse là. Ah. Ou besoin de représentant dans la presse là. Là, je ne représente pas. Et puis, journée jodi à la, ou journée jodi à la, mais gade soit fait. Gade qui soit quitté moun ap fait sous dos. Sous base que Esaïe en merde. Pas en merde! Comme si pour m'en merde, Premier ministre. Moi, Premier ministre, tout autant que je suis Gilbert, moi, mes amis, je suis campé, je dénonce. En tout cas,
Le rendez-vous est cassé. Demain, 10h, madame non, avec moi, avec fanatique matin débat, policier, policière, militant politique, tout le monde net accompagné. Demain, rendez-vous devant résidence Premier ministre, nous prenons demander machine. Parce que, avocat, nous besoin machine, parce que c'est pas l'État qui t'a acheté machine, ba, madame non. Madame n'a besoin machine ni. Comme c'est nous qui t'a utilisé, Premier ministre. Dégagez-vous, bye madame dans la machine, pour ne pas finir mal. Bye. Si nous ne pas dégager la machine, nous sommes obligés d'arrêter demain si Dieu veut. Nous sommes arrêter pendant la semaine. Nous campons dans le matin débat jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir, Gary. Madame Tandé, c'est un camarade qui n'a pas de soucis, effectivement, qui informe que l'ancien ambassadeur, Bokchi, fait une note et puis il est sur la radio. Donc, mal tendu, ancien ambassadeur, Mbokchit. Et ça fait une pitié, puisque c'est moi-même, effectivement, qui t'ai voyé le directeur du ministère des Affaires étrangères, la responsable de la direction des affaires consulaires, directeur ministère des Affaires étrangères, là, directeur général, là, responsable section consulaire là, avec un autre membre qui était dans le cabinet pour aller faire pour aller enquêter sur un dossier de corruption qui impliquait Jérôme Juste que nous n'avons pas. Une fois que nous songeons, l'ambassadeur a eu le téléphone, il dit, mais ça passe, il dit, ambassadeur, m'a révoqué monsieur demain. M'a révoqué monsieur effectivement demain, et puis m'envoyer une commission d'enquête qui est responsable de ça là-dedans. Eh bien, le dossier de Gilom lui ouvre une boîte de Pandore à l'ambassade et d'Haïti à Washington. Côté nous découvrir dans le ministère un réseau mafieux qui a vendu passeport, qui a fait passeport, qui a bail passeport à des sommes exorbitantes. Et enquête ça, en août 2021, M'pote le premier ministre Ariel Henry. À ce moment, monsieur l'ambassadeur Bokchit était tout puissant. Il passait enquête là en dérision. Moi qui t'ai enquête là pour l'histoire, nommé Ariel, je n'ai jamais de bon copie là-dedans. Moi apprends récemment que parallèlement, FBI mène une enquête, et je n'ai exactement ça nous déjoigne dans l'enquête panoir. C'est malheureux que l'ambassadeur Bokchit a établi un rapport de cause à effet entre moi-même et l'homme pour t'a montré comme quoi c'est le rapport ça qui t'a voulu l'aller. Mais ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement et ma bataille contre Ariel Henry et équipe, donc probablement Bokchit qui t'a la donne. Et puis c'est le ça pour prendre en considération que je fais un rapport sur Bokchit. Maintenant, si ambassadeur, les mêlés dans la corruption à grande échelle, si l'ambassadeur a traité avec les ennemis des États-Unis, si l'ambassadeur a des bagages pour qu'il reproche, qu'elle assume ça comme un homme qui passe 32 ans dans la diplomatie. Parce que ce n'est pas possible pour chercher un bouc émissaire pour qu'on croit que c'est à moi-même qui fait le recours. Je n'ai pas de pouvoir. Je suis face à un gouvernement. Je suis principale opposition à un gouvernement. Alors que mon pouvoir, c'est moi qui fais le recours. Donc, moi, je pense que le petit et ambassadeur Bokchit, moi, je pense que ça a petit, moi, je pense qu'il faut assumer à tout comme ambassadeur qui, dans la tête, d'après ça, en tête, pas me l'a dit, parce que, on dit que, nous, ça a venu aider, n'a pas reconnaître effectivement que l'ambassadeur Sambo Soleil, qui lui-même est directeur général du ministère des Affaires étrangères, que probablement, tout de suite après la force à l'Europel, que Sterling Civil, qui est ministre conseiller à la mission permanente d'Haïti à l'ONU, il a révoqué le rapport ça. Moi-même, nous avons pire difficulté parce que nous avons produit le rapport ça de corruption à Washington, qui implique la sœur de l'ambassadeur et l'ambassadeur. Et c'est le rapport le plus objectif que moi lis depuis que mon ministère des Affaires étrangères. Maintenant, moi, t'as souhaité
de, avec conscience, ambassadeur, pour retirer nom de ça comme quoi c'est moi qui t'a fait révoquer. Moi, pas fait révoquer l'ambassadeur. Après, moi-même, avant, nous venons de rapport. Moi-même, avant, nous venons de rapport. Donc, je ne peux pas faire révoquer. Parce que je n'ai pas de rapport avec Ariel Henry. Je ne connais pas le ministre des Affaires étrangères, des Affaires étrangères actuelles. Donc, on va faire révoquer. Donc, ça veut dire que on va besoin essayer, n'est-ce pas, mélanger dans un bagage comme ça. C'est le rapport produit, ce rapport, il était produit pour l'histoire. Comme c'est vérité que nous avons dans le rapport, eh bien, enquête parallèle qui fait, je veux que effectivement, monsieur l'ambassadeur, vous êtes impliqué dans un scandale de corruption à l'ambassade. Ou bien présumé, parce que la justice peut prononcer sur ça. C'est ça que je veux dire, je ne peux pas dire ça moi-même. D'accord? C'est ça. Et ça, moi, toutes les diables, je dis, moi, prends ça, mes diables, à dire. Docteur Claude. Docteur Claude. Oui, oui. Ambassadeur, est-ce qu'on a une précision, puisque ambassadeur dit, et son fait que lié, son réalité, c'est vous-même qui t'es nommé et génome dans la direction consulaire à Washington. Et qui lui-même t'est impliqué dans le scandale $50,000. Qui vérité qui est dans ça? Non, bien sûr. C'est moi qui nommé génome, qui c'est effectivement un membre de l'OPL, mais un cadre, un jeune cadre, que nommé, une fois que impliqué dans la corruption à l'ambassade d'Haïti aux États-Unis, moi révoqué et nous faisons enquête ça a 50 pages là-dedans environ, qui méticuleusement détaillé implication chez l'homme, mais qui ouvre une boîte de Pandore qui montre nous que niveau corruption qu'a fait l'ambassade d'Haïti aux États-Unis. Alors, c'est pour une lettre de ILCC. Automatiquement, moi-même, bagarre la fête, moi informé ILCC. Moi informé ILCC. ILCC écrit formellement pour dire vous rapport à Bayo. Moi vous voyez rapport à Bayo. Automatiquement, ULCC lit rapport et le temps de scandale, lit le crime pour demander de mettre mon ça à disposition. Moi, écrit mon ça, on dit faut mettre à disposition ULCC. Ambassadeur a dit que lui-même c'est ambassadeur, il va pas devenir ULCC. La chair de mon bouchit et de Bettina Bouchit dit lui-même qu'il est petit aux États-Unis, il ne va pas devenir ULCC. Et les autres personnes, ça qui courit, etc. Mais le dossier au complet est là. Et dire que moi j'ai un dossier à disposition. Et moi pas quoi que ce dossier ça qui voulait, c'est vrai qu'on scandale de corruption, même pas que ce dossier ça qui voulait, monsieur l'ambassadeur là, aller. Parce que tout simplement, ambassadeur à ce pouvoir, c'est parce que Ariel gêné un pire qui vous fait pour vous boucher d'aller. Donc c'est pas Claude qui va faire vous boucher d'aller. Au contraire, l'ambassadeur a présenté Ariel, Claude dit c'est menti, au fait son tout le monde qui l'a eu, c'est le monde qui est parti Claude là. Mais c'est une belle excuse pour l'attendre. C'est parce que vous impliquez dans des bagailles qui ne sont pas bonnes du tout. Et bien des autres bagailles qui ne sont pas. Moi-même, je ne suis pas prêt à parler là. Je connais l'histoire à dire. D'accord? Mais tant pis, pas nommer nom à cause de ça. Parce que moi-même, comme ministre, j'ai fait affaire. Je m'étais révoqué ce jeune homme juste automatiquement. Et je m'étais fermé une enquête. Enquête là. Journaliste gagné un jour de jeudi. Je ne sais pas comment faire bien. Je vais gagner. Docteur Claude Joseph. Allô? Oui. Entendez-moi? Oui, très bien. Et ambassadeur a reproché où? Il dit ça plus fait le mal et ça ne plus pas comprendre que le rapport d'enquête ça que la commission ou te nouvelle a terminé, nous acheminer dans l'ambassade américaine. Et il dit par contre pour qui ça? Pour qui ça a été fait si effectivement il s'en dit? Non, du tout. Moi-même, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas acheminé aucun rapport d'enquête dans l'ambassade. Ce n'est pas place pour nous faire ça. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai acheminé dossier, et ça me retourne comme ministre des Affaires étrangères. Je n'ai voyé les pas. Acheminé, je n'ai pas porté même by Ariel Henry. Je n'ai pas porté. Et comme moment ça, c'était moment, je suis mal vu dans le gouvernement parce que je suis opposant au sein même du gouvernement. Eh bien, je prends le dossier pour casser faire pour ça. Je ne vais pas faire aucun suivi avec le dossier. Je ne connais vérité à au bon titan ou qu'à chercher barrel ou pas qu'à barrel beaucoup de temps. D'accord? Donc, même moi-même, personnellement, je ne vais pas faire ça. Mais comme je dis, n'enquête ça. Les commissions vont le faire. Bon, je suis tellement sensible, bien pour voir. Nous ça bien.
il est tellement senti que le bien pouvoir, il est bougé la commission, il quitte Washington à New York. Donc, il n'a pas questionné, il a questionné tout l'autre monde, ou le plus fort monde, parce que vous échantillon, plus fort monde dans l'ambassade, mais vous ne pouvez pas parler de lui. Maintenant, bon l'autre rapport, peut-être que vous devez parler de lui, son rapport ministère intérieur, mais particulièrement l'immigration, qui joue de l'autre scandale de corruption de passeport encore. Passeport qu'a fait, il a utilisé l'identité de l'autre monde, etc. Rapport ça, il est là, moi bien à la disposition. Là, vous voyez une autre commission d'enquête, vous ne pouvez pas quitter votre ambassade là. Imaginez-vous. Une commission d'enquête allée à l'ambassade d'Haïti à Washington, le directeur général du ministère, Bokchit Boudéo, encore une fois, parce que il dit là pour ça. Est-ce que ça va exprimer que ou pas vraiment un grand ministre affaires étrangères, puisque ambassadeur Boudé commission ministère là, et je dis là, c'est dénoncé. Qui ça a été fait, l'ambassadeur a été Boudé commission, pas quitter le rentrer comme ministre des Affaires étrangères. Non, pas de tout le monde dit qu'on Bokchit. Comme ça, je dis, le combat qui existe, c'est entre Bokchit et l'actuel ministre des Affaires étrangères. Mm-hmm. Bokchit a éclipsé le ministre des Affaires étrangères, et le ministre des Affaires étrangères, j'ai une bonne occasion, mais vraiment, c'est pas lui prier, vous voyez Bokchit aller. Tout le monde dit qu'on Bokchit pendant 32 ans au sein de la diplomatie haïtienne, c'est ce comportement qu'il a. Même côté, même voyager l'aller, il n'a pas envie d'aller pour contre lui. Il faut que lui joue un bagage pour lui pour montrer qu'il est un saint. Mais c'est un secret de polichinelle. Tout le monde qui connaît Bokchit dans la diplomatie, c'est ce comportement, la caille Bokchit. Donc, il faut qu'il assume comme grand monde. N'est-ce pas? Il faut qu'il assume comme grand monde. Moi-même, personnellement, je m'a dit ça clair. Mon papa, moi, je t'ai produit la pour moi parce que faut que je fasse. Je te remettre lui avec supérieur hiérarchique qui était Ariel Henry à ce moment. Ensuite, il y a le CCT qui m'a copié là-dedans. Parce que moi, je devais contribuer pour ça, pour mettre un fin. Et comme d'où, c'est pas. Et pour crédit Bokchit. Réseau mafieux, ça, qui existe à Washington, non, il précède Bokchit. Maintenant, qu'il y a Bokchit, probablement, moi, je dis probablement, car il a alimenté. Mais il précède. Il précède Bokchit, même là, Bokchit est ministre affaires étrangères. Maintenant, quand il y a l'ordre d'un ambassadeur, c'est eux pour mettre un fin avec lui. Si on a l'approche d'une antenne dans Maryland ou dans Salisbury, et puis FBI a suivi pendant un an, pas jamais comme ça, mais l'ordre prend un problème, il y a un joint au monde pour un prétexte. Donc, docteur Claude, gagné, ambassadeur, en débat en précision, gagné, en lit là tout, gagné en commission qui te vine l'autre bord, dans le rapport que vous te voyez faire, il n'y a pas de trace ça qui dit question antenne consulat qui était ouvert à Maryland. Ben, mon cher, bon, du magaï. Ouais, il y a un magaï qui est là pour. Il faut que vous chiez là pour. Il y a un magaï qui est plus. Et on est capable de dire qui puisse expliquer explicitement dans le rapport, qui sont vérités, c'est antenne consulat ça. Il y a un rapport. Il y a un rapport. Donc, alors que de l'autre entité parallèle va mener enquête, il y a même enquête plus approfondie au parallèle. Une antenne consulaire que Haïti pas connaît, donc ministère pas connaît. Une antenne consulaire que pays ou accrédité là-dedans n'a pas connaît, c'est un bagage qui est illégal lié. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pure et simple. Maintenant, pour nous, c'est qui, et ça me da capable de lier implication et ancien ambassadeur Bokchit, ou bien Bokchit pour. Et la question, ça, je ne connais pas. Est-ce que lui-même, il joue, est-ce que lui est innocent, etc. Mais, comme dit, il n'y a pas quelques dossiers qui ajoutent à ça, qui fait bagage ça, bien sûr, un gros problème pour et ancien ambassadeur et mon Bokchit. Avec tout respect que vous voulez, je vais dire une prochaine fois la faire intervention, évitez de chercher un bouc émissaire. Je ne pas qu'on en a une évocation, parce que l'un des ministres, ça fait que je ne pas taper le bouc. Parce que vous êtes impliqué dans la question de secteur côté faux qui est dans la rue, vous êtes convoqué dans le ministère ou pas venu. Et Ariel dit ou pas venu, je ne moi. Attention, hein. Donc ça veut dire que l'homme qui est ministre n'a pas fait évoquer, ce n'est pas l'homme pas ministre qui a fait évoquer. Hein? D'accord. Et il y a beaucoup plus de choses comme c'est des hommes détanouillés, on évite de parler de eux, mais on n'a pas fait évoquer l'homme de ministre. Parce que tout simplement, ou t'es passé dehors, ou t'es dit Ariel, c'est où tu fais là? C'est pas moi, mais c'est, si c'est pas tout même, c'est moi-même qui est le premier ministre. Donc Ariel, prenez soin de vous, ou manipulez Ariel,
qui fait que Ariel Badjan t'a suivi sur le dossier corruption. Donc, on y a, mon cher, ne cherche pas en bouc émissaire en la personne du docteur Claude Joseph. Ok. Pourquoi c'est moi qui est responsable de cette révocation et malencontreuse. C'est pas moi. Ok. Et docteur Joseph, ma contre, tu vas prêter sur lui-même, puisque l'ambassadeur là n'a pas permis de réagir. Ambassadeur, nous le chicou là. Comment nous faisons un micro, nous allons seulement à ministre Joseph parler. Notre ambassade américaine, vous voyez, le gouvernement américain, il fait référence comme suivant. Après avoir l'ambassade des États-Unis d'Amérique, après avoir reçu une correspondance datée de août 2021 du ministère des Affaires étrangères, mes amis, c'est clairement l'écrit. C'est le ministre Joseph qui a envoyé le rapport à l'ambassade. Il est clairement dit dans la note de l'ambassade. Mm-hmm. OK? La deuxième chose. Je parlais de ondal bagage, de corruption, de... même pas présenté. Je pense que si on a une enquête sérieuse qu'a fait au niveau du ministère des Affaires étrangères, je pense qu'il faut nous carouer. Et moi, monsieur, éviter de parler de Jérôme de cousin. C'est ton cousin, Claude. On va gagner aujourd'hui. Et si on a une enquête sérieuse qu'a fait sur le ministère des Affaires étrangères, je suppose que tout problème ministère. Plus gros cas de corruption, c'est pas longtemps là. Tout le monde connaît que vous avez augmenté le budget, toute ambassade pour le gain, ambassadeur pour vous mettre, vous avez doublé le budget. Tout le monde connaît ça. OK? La deuxième chose, tout le monde connaît, tout le monde vous mettez ambassadeur, vous mettez des administrateurs qui parlent. C'est parce que vous avez compris. Et moi-même, à Washington, le fait que je n'ai pas de gain contrôle sur le monde, parce qu'ils ont toujours dit, d'abord, ce sont des fonctionnaires, ils vont arrêter comme ça de Haïti, ils vont avoir une autorisation, ils vont demander, parce qu'ils sont des autopuissants. Ils ont fait tout le bagage ça, parce qu'ils connaissent aucune protection de leur ministre. On est là, si monsieur gagne une action posée, c'est normal, ou dit que vous révoquez immédiatement, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai eu l'homme de 12 ans, je dis, bon, qui doit régler ça. Après, moi, je m'avais informé pour le ministre. Mais pour le premier ministre là, ou bien travail sur le premier ministre là, oui. Après, le premier ministre dit, mais voilà ça, il dit pas l'ambassadeur, il pensait que son cas grave, il est obligé de faire. Et vous-même, le premier mandat fait le temps en fait. Mais on n'a pas de intention pour te faire au départ. Ça, il faut dire la vérité. OK? En plus, vous parlez de une enquête ministère de l'Intérieur qui. Ça, c'est une enquête ministère de l'Intérieur qui ne concernait pas l'ambassade, de concerner unité passeport là seulement, des fonctionnaires.